Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode sur le mode campagne de Battlefield Hardline. Alors, je rappelle vite fait le résumé, parce que vous rappelez-vous, à chaque fois il y a un résumé quand je reprends. Alors le résumé, alors. J'avais fait un mode d'infiltration dans une usine, si vous vous rappelez bien, où j'ai foiré, j'ai fait que des fails, j'arrivais pas à m'infiltrer, un truc de fou, voilà, on va oublier ça, on va passer à autre chose. Et après, il y a eu Tyson, là, le mec avec le blouson en cuir, là, Tyson, qui a voulu essayer de s'échapper avec une palette de coke entière en gerber, mais malheureusement, il s'est coincé sur une rail, il a failli se faire tuer pour prendre toute cette coke, le train foncé dans la palette de coke, on a eu de la coke partout, et là, il y a Kai qui nous a proposé d'aller dans les serres, comme l'épisode 7, c'est le début du site, là, l'épisode 7, serres, où on va dans les serres pour, alors, attendez, je vais dire avec vous, à moins que Boomer vienne trouver des infos dans les fichiers, télécharger l'opération Kang n'aura pas fourni les preuves. D'accord, pour trouver des preuves contre le contre Dose, voilà. Et je vous laisse reprendre. Voilà. De toute façon, ils vont faire un résumé comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chargement. Je l'oublie à chaque fois, ce chargement. Parce qu'il est peut-être assez court, alors c'est peut-être pour ça que j'oublie. Bah, tant mieux, vous allez me dire. Tant mieux. Alors, il y a deux mecs à arrêter, hein, c'est ça? Cameron, un détenu arrêté, hein, d'accord. Il y a deux mecs à arrêter, apparemment. Vous faites précisément gaffe. Dans Hardline, nous relèverons ensemble le défi de bâtir les forces de l'ordre de demain. Notre ancien capitaine a été bien occupé. Concessionnaire. Une couverture pour la mafia coréenne. Je connais quelqu'un sur place, un certain Boomer. Ici, c'est la concession de Kang. Des caisses venues d'un peu partout. Les hommes de Dose conduisent les trains. Allons foutre en l'air le business. Il était en olive. Il y en a pour 9,9 millions de dollars de cocaïne. Laisse pas s'entraîner. Voilà. Cette scène m'a fait trop rire. Ah, hop. Faut qu'on trouve comment entrer. On était arrêté là. En l'entrée principale. Voilà, elle avait mis une petite. Avec discrétion. Elle avait mis un petit truc là. Dans la mesure du possible. À qui appartient la maison? Neil Roth. Putain, j'ai encore une un espèce de. Notoire. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour créer une police privée avec Dose. C'est ce que je pense. Il a une grosse sécurité. Voilà pourquoi. Ah si, cool. Oula. J'ai apporté ça. T'inquiète pas pour les alarmes, ah, le courant est coupé. C'était pour détecter, je crois que c'était une bombe, non c'était pour détecter. Attendez, voilà, je cherchais mon truc d'inventaire, heureusement qu'il est à côté. Parce que j'ai peut-être changé un petit peu de piste. Oh, une Tech 19 et un Mac 10. On va prendre la Tech 19, tiens, pour l'essayer, on va l'essayer ensemble. Une mire améliorée, un Delta, on va aller voir un Delta. Un chargeur amélioré, un viseur laser. Une bouche, un truc qui nous augmente bien. Peut-être silencieux quand même. Non, c'est plutôt pour le pistolet, le silencieux. Un canon lourd et on va lui mettre un petit. Non, pas le livre comme avec le Dirt Eagle, mais. Tiens, un spray neige tigrée. Neige tigrée et on va pas prendre espace 12 par contre. Oh, quoique. Ah non, je sais ce qu'on va faire. On va changer, on va prendre le fusil à canon double dans le multijoueur. À chaque fois, je voulais l'utiliser, mais j'ai pas encore pu le débloquer malheureusement. Et apparemment, le multijoueur il fait très très mal à ce que j'ai vu. Ouais, je peux rien débloquer. On va le mettre dans quelle couleur? Voyons voir. Oh, on va le mettre en chasseur tigré. Voilà, alors gadget. On laisse ça. Bon, l'explosif il m'a pas trop servi. Oh, une mine laser, on peut mettre une mine laser, les gens. Oh, allez, on va mettre une mine laser et on va changer le club de golf. Excusez-moi, je fais mes petits trucs avec un tuyau de plomb. Voilà. Oh putain, c'est stylé. Pas de panique, Boomer sait ce qu'il fait. En tout cas, ça fait stylé quand même, je trouve, non? Avec le petit viseur là, pas mal. J'aime bien. Oh, le anti-gré, quand on voit bien le orange là, putain, c'est pétant. Oh, ça va faire mal, les gens. Je vous dis, ce début d'épisode va faire mal. Eh, mais. Arrête tes conneries, tu vas tout faire foirer. D'accord. J'ai fait échec de l'objectif parce que j'ai tapé contre une feuille qui voulait pas se casser. Ok. Bon, bah, fail, hein. Oui, bon. Écoutez, ouais. Mais déjà, normalement, une plante, ça doit se couper direct. Ça doit pas faire du bruit comme si c'était un putain de mur en béton. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On entre là-dedans avec discrétion. Il m'a changé mes armes. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans la mesure du possible. À qui appartient la maison? Neil Roark, une pourriture notoire. Et personne. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour créer une police privée avec Dose. Oh, toi, qu'est-ce que j'ai envie de te claquer? C'est ce que je pense. Oh, le gros tuyau, vous voyez. Voilà pourquoi. Hey, je vais les frapper avec mon gros tuyau. T'inquiète pas pour les alarmes, le courant est coupé. Peut-être tout à l'heure tu l'avais fait plus tôt quand même. C'est juste l'éclairage d'urgence, le courant n'est pas rétabli. Okay. Pas de panique, Boomer sait ce qu'il okay, fait. Ok, merci. Ouais, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, hein, parce que.
Oh putain, comme d'un coup il a accéléré, je sais pas si vous avez vu. Oh, le pied de biche qui sort de son... qui sort de quelque part où je ne peux pas dire l'endroit. Et essaye de voir si c'est ouvert. Au lieu de toujours défoncer la porte. On y est. Maintenant il faut trouver où placer le mouchard. Boomer a dit que plein de connards assistaient à la réunion. Ah, y a un truc. Il faut qu'on trouve un genre de salle de conférence. Attends, y a un truc à checker là, non? Attendez, je vais regarder. Ah non, ça c'était d'accord, la trousse, l'inventaire. Oh, oh les voitures, tuture. Bon, la camette, elle est pourrie, t'es fait pas beau au milieu de tout ça, mais... Tant que je me fais pas tirer dessus, j'ai pas à me plaindre. Mais celle-là, je la veux, je peux pas la piquer pour la mettre dans mon GTA Online. Oh, oh, les motos, ces moustiques, regarde ça. Moi, j'aime bien la blanche. Ah, oh, mais la rouge aussi. Oh là 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 là, mon Dieu. Si je pouvais prendre ces voitures... Oh, attends, on peut ouvrir là. Ça, allez, on ferme. Putain, je me suis fermé dans la gueule. Aïe, ça fait mal au nez. Oh putain, c'est une voiture. Je voudrais bien avoir des voitures comme ça, moi. Faut pas checker par là, rien à checker. Tout à l'heure, il y avait un truc. Alors, attendez, j'ai même pas regardé. Combien d'indices a trouvé ? 4. Putain, pourquoi il fallait que ça tombe sur 4 ? Oh putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le vvvv. Ah, je savais bien que c'était sur le bureau. Oh putain, comment il a glissé. Alors, on va l'entendre parler. Rorke envoie des trucs à ce type. Beaucoup de trucs. Une adresse en Floride, on dirait. Oh, tiens, Kay nous a laissé son petit mot. J'aurais bien voulu qu'elle ne s'immisce pas dans mes trucs parce qu'elle m'énerve, de toute façon. Ouais. Les gars, faut arrêter l'alcool, là. Et ça, c'est quoi? Des clés. Oh, c'est les clés d'une voiture. Attendez, mais moi je la prends et on se barre avec des clés, hein, moi je dis. Tiens, des fruits, c'est bon. Manger 5 fruits et légumes par jour. Comme si c'était possible. Ça me fait toujours marrer, ça. T'es genre, vous avez le temps de manger 5 fruits et légumes par jour, vous? Franchement, moi, quand je travaille, au pire le matin, je dis pas, je peux en manger un. Mais si je préfère manger mon petit-déj. Le midi, normalement, je rentre pas le midi chez moi. Ça dépend des horaires. Après, je rentre vers 2h. Vous allez me dire, je peux en manger une, parce que deux non plus, faut pas pousser, hein. Je suis pas un gros morphal. 3 le soir, limite, pour le dîner. Ouais, franchement, c'est. Manger ça, moi, je ferai une overdose de multifruits, moi. J'en aurais marre. Putain, je ne pourrai plus jus de fruits, enfin. Manger 5 fruits et légumes par jour. Vas-y, allez-y, vous. On va devenir des gros porcs après. Qu'est-ce que tu manges? Des hamburgers? Non, plein de fruits tous les jours. 10 fruits. Je suppose que c'est ton premier cambriolage. Ah d'accord, c'est téléphone. Une jolie musique de Mozart. Eh oui, je connais mes classiques. Oh putain, il a une belle... Oh le mec, mais putain, un richou quoi, le feu et tout. Ça va pas? Arrête, y a personne. Je suis désolé, mais y a personne. Y a personne. Il y a vraiment personne. Alors ça sert à rien que je fasse du bruit, je pourrais même mettre une bombe au milieu et le faire exploser. Mais tout le monde s'en bat les steaks parce qu'il y a personne. Et franchement, la maison est super grande, mais il y a personne. Oh là là, en plus il nous faut recommencer jusqu'à... Bon allez, on va courir. Faut qu'on trouve comment entrer en évitant l'entrée principale. Putain, c'est on pas entre possible. Là-dedans avec discrétion. Et franchement, vous êtes c'est pas possible quand même. À qui appartient la maison? Neil Rorke, une pourriture notoire. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour... Allez, dépêche-toi, on s'en fout, Allez, vite, fais le truc interaction, voyez. Oh oui, faut attendre que les lumières s'éteignent. Allez, dépêche-toi. T'inquiète pas pour les alarmes. Oh putain, qu'est-ce que c'est long. C'est bon. C'est juste l'éclairage. Allez, il sort son petit pied de biche, je ne sais où. Panique, Boomer sait ce qu'il fait. Oh punaise, est-ce qu'il faut que je reprenne toute... On y est. Maintenant, il faut trouver où placer le mouchard. C'était un truc. Boomer a dit que plein de connards assistaient à la réunion. Il faut qu'on trouve un genre de salle de conférence. Ah, c'était un tiers comme ça, on pourra au moins checker par ça. Par ici. C'est moi ou cet endroit a l'air un peu trop calme? Tant que je... Le van de la société de Rorke. Il a dû être utilisé pour pas mal de choses. Ouais, super, deux phrases. Je vais pas tirer dessus, j'ai pas à me plaindre. Allez, on y va. On va se dépêcher parce que là j'en ai marre là. Je tape sur un truc, ça alerte tout le monde. C'est pas possible cette histoire. Attends, regardez vite fait s'il n'y a pas des trucs à checker par là. Faut vraiment se la péter pour vivre dans un endroit pareil. Bah ouais, hein, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? Oh, une putain de piscine, j'avais pas. Bon, je garde l'œil sur le scanner au cas où il y a un truc. Il a ses chaussures au bout de la porte. Pas ici en tout cas.
va voir là-haut. Ouais, allez, on y va. Oh putain, hey, on pourra dire qu'il a pris la grosse tête. Ha ha, c'était pas drôle. Oh putain, la piscine, j'ai envie d'aller nager dedans. En haut. Non, non, on va en bas. Putain de baraque et putain de vue en prime. Moi, la toilette, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, y'a pas un truc là? Non, y'a rien. Et si ces affaires là, y'a des clés partout apparemment. Le mec, il laisse ses clés partout. Ah, ça c'est un truc de température et tout. Oh, le mec, il a une fontaine et tout mieux. Oh, la baraque de gros richou, quoi. Et il a toujours autant la grosse tête. Je me lassais pas de cette blague. Merde, excuse, j'ai pas éteint mon portable. Je suppose que c'est ton premier cambriolage. Oui, j'aime bien cette musique et je m'en fous. Ah, quelqu'un qui arrive, non? Attendez, j'ai entendu du bruit. T'entends ça? Ouais. La rencontre a bien lieu dans deux heures. C'est ce que disait l'email de Kang. Cherche un endroit où poser le mouchard. Ah merde, on peut pas le voir. Merde, bon alors faut se dépêcher. Maintenant, il y a vraiment quelqu'un. Là, je veux bien que si je fais du bruit, bon, il peut se dire, là, c'est bizarre. Là. Je vois pas de salle de conférence. Et toi? Allons voir au deuxième. Oui, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Oh, putain! Ah, oh, putain, j'en ai marre de ces personnages à la con qui me font peur comme ça. Ça ressemble bien à une salle de conférence. Je suppose que c'est là qu'aura lieu la réunion. Enfin, un truc à checker par là. Non. Attends, on va fermer la porte pour pousser cette réaction quand même. Voilà. Oh, quand même, elle m'a fait des jetons. Ah, j'aime pas ce personnage-là. Déjà, Stoddart, la dernière fois, comme il me faisait peur quand je faisais mon infiltration. Mouchard en place. Allons-y. Oh oh. Merde. Allez. Ouais, elle est dans le placard, comme des petits collégiens qui se sont attrapés dans leur chambre de leurs parents. Mais Léon. Ah, chut, on écoute cinématique. Ça devait commencer qu'à minuit. Changement de programme. C'est par ici, messieurs. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh, la K-47, là. Sur le mur. Kang allait nous rejoindre. En tableau. Kang ne viendra pas. Sa femme est malade. Malade? Elle a 25 ans. Elle a quoi, le nez qui coule? Kang n'est plus dans la course, version officielle. Voilà pourquoi la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu. Je croyais que vous étiez chargé de sa protection. Nous offrons plusieurs niveaux de sécurité. Ouais, l'excuse, toi. Qui l'a tué? Vous? Moi, je me casse. Messieurs, comme si tu croyais qu'il allait pouvoir te casser aussi facilement. Fermez-la. Laissez parler notre homme. Ils sont serrés là-dedans, dis donc. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. À Miami, on a négocié des trades avec un tas de connards dans votre genre. Et au final, on a toujours réussi à s'entendre. En discutant. On ne veut ni votre territoire, ni vos produits. On contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers. Vous nous payez. On vous fait profiter de ce réseau. Ça a marché à Miami. Alors, je préférerais voir nos sommités locales se mettre à penser en hommes d'affaires. Bien joué. Pour fêter notre accord, une limousine va déposer ici la fine fleur des étudiantes à mi-temps les plus délurées de l'Hollywood. Oh ouais! Vous voulez bien vous rendre dans la salle de luxure? Oh bah super, mais moi je veux y aller. Amusez-vous bien. Oh bah ouais, j'espère qu'on va s'amuser. Je peux pas aller les suivre. Je viens avec vous les gars. Vous avez des bonnes propositions, je veux devenir méchant. Parler de quelque chose. T'as, par contre, t'as une coupe de merde. Pardon. Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami. J'ai quelques personnes à voir. Mais je repasserai dans la soirée. Votre argent sera gardé dans mon coffre le plus sûr. Soyez tranquille. Un coffre n'est jamais assez sûr, mon gars. Faut le savoir. Surtout quand il est Dalton dans le coin. Quoi, c'était pas drôle, je sais, mais... C'est bon, ils peuvent sortir du placard. Il est ici, ce salaud. Kai. Si on se glisse par la fenêtre, on peut encore la voir. Oublie Stoddart, j'ai une idée. Hein? Passe ton téléphone. Ok. Pourquoi? J'ai envie de le garder. Il est bien, je le revends. Il y a des trucs importants dessus. Juste le jeu... Quand des trucs. Oh. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Je vais voler le fric de Dose avant qu'il ait le temps de le blanchir. Ouais. Ce serait plutôt marrant, mais tu te débrouilleras seul. Attends, quoi? Il faut que je parle au sergent Stoddart avant qu'il s'en aille, et on peut pas s'infiltrer tous les deux dans cette maison. Oh. Allez, viens.
Aide-moi à monter. Oh mais non, mais je vais te faire tomber, moi. Bah oui, t'as déjà fait quoi. Personnel. N'importe quoi, mais faut jamais lui faire confiance. Personnel. T'as aidé Dose et Stoddard à m'envoyer en tôle pendant 3 ans. C'est pas personnel, ça? Ouais, connasse. Désolée de te décevoir. Punaise. Mais... Ma mère est morte quand j'étais en prison, Kai. Oh, merde, mec, je... Tu sais quoi? Ferme-la. Oh ouais. Je m'en branle de ce que tu... C'est bien, vas-y, Nick, révolte-toi, mets une patte dans sa gueule. Oh, mais oui, mais moi, je te dis, regarde, t'avais la place, là, regarde, elle serait tombée dans la piscine, tu l'aurais noyée, tout ça. Papapam, c'était bon, quoi, putain. Oh, je te jure. Oh, punaise, qu'est-ce qui m'énerve. On peut pas récupérer... On a pas besoin de récupérer le truc, ok. Rien à checker, on sait... Ah, quelque chose. Oh non, ça doit être des... Attendez, parce que là, faut une discrétion. C'est des inventaires, ok, on s'en fout, à part si j'ai quelque chose à changer. Attendez, je regarde vite fait. Ah, c'est vrai que j'ai des mines, ça. Et attendez, est-ce que... Oh non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Alors, on fait pas de conneries pour l'instant. Le courant était coupé quand on est arrivé. Ah. Oh, putain. Ah, non, c'est bon. Ah, j'aurais dû lui faire pendant ce temps, mais bon. Ouais. Hey. Ah, putain, je peux pas le checker d'ici. Est-ce que je peux le checker? Ah, c'est bon. Même s'il est de dos, on voit son visage. Allez. Est-ce que je peux... J'espère que je peux me faire... Non, mais tu te mets pas debout, il se met debout tout seul, ce con. Allez, fais attention à mon doigt. T'as fait quoi comme ça, merde. Oh putain, j'avais pas vu qu'il avait en bas. Sans tricher, environ 95. Ça parlait entre vous. Alors, vous le prenez au sérieux, le deal de ce Stoddard? Or, qui a l'air de le prendre très au sérieux. Moi ça me plaît pas, les flics pourris, ils ont pas de parole. Dis le mec qui triche au golf. Oh là là. Allez, il y en a deux, c'est bon. Arrête-toi tout de suite. Oh, il jouait à un jeu vidéo, merde, j'ai pas le temps de voir ce que c'était. Ok, ok. Et en plus je crois que c'est un jeu vidéo connu. Attendez, on va aller voir si on a le temps. Allez toi, je t'arrête aussi. Parce que j'ai mon gros doigt. Faut pas négliger, avant j'avais le pouvoir de l'insigne, là j'ai le pouvoir de mon gros doigt que je peux te foutre là où je pense. Oh la manette, comment elle est moche. Ah ouais, elle est moche, franchement. Tiens, tu sais même pas comment tu peux la tenir à ta main. Oui, il mange des nouilles. Dead Space 3, je m'en doutais. Ouah, Dead Space et tout, en même temps je crois qu'ils sont ceux qui ont fait Dead Space, il me semble. Oh, superbe référence, j'adore. Bon bah je prends le jeu. Je prends la fausse console aussi, au cas où je peux peut-être la rendre chère. Je vais passer ça pour une PS3 pour les vieilles mamies et tout ça. Pour leurs petits enfants pour Noël. Oh là là, qu'est-ce que je suis dégueu, là. On a fini là. Tu pourrais m'appeler. Putain, ils sont deux, je crois. Ils parlent tous les deux. Ah, ça fait, il m'a pas vu. Ah, bouge pas, toi. Plus un geste. Putain, ça va. Putain, je crois qu'il... Oh merde. Merde, mais pourquoi ça n'a pas marché? J'étais à côté de lui, je vais faire l'élimination. Vas-y, vas-y. Ah. D'accord. J'ai pas compris, il y a une, le bruit et tout, comme si c'était alerté, mais... j'ai encore deux trucs à trouver, mais il n'y a rien là, de preuve à trouver. Ok, bon. Ça m'a foutu les jetons, mais bon, apparemment, c'était rien. J'ai même pas... Ok, ils sont... Bon, ok, écoutez. Écoutez, tant que ça se passe bien, on va fermer la porte sur toi, mon gars. Voilà. Là, je peux pas descendre par là. T'as fiché. C'est où là? Ah oui, les escaliers sont là, putain. Ah, c'est bon, il se barre. C'est bon, il se barre là. Personne dehors là. Oh, il y a même du feu là, putain. Le mec. Oh, oh, bon. Oh punaise, il y en a plus que je pensais. Merde, il pouvait pas être un peu que juste deux. Putain, je suis dans le caca, Jar Jar. Bon, on va essayer de tous les... Oh putain, il y en a qui rentrent. Oh, merde. Je retourne à l'intérieur. Oh, je suis rien. Hé, où est la poudre? La cuisine. Eh ben, c'est parti. Putain. Oh putain, je suis dans la merde. Non, c'est bon, il se barre. Si je peux aller voir les deux en même temps... C'est bon, ils vont pas me voir. Oh, ils sont trois, non? C'est deux. Stop, voilà les deux. Oh, oh. Ok, ok, ok. Ouais, ok, vous bougez pas les gars.
Oh putain, j'ai fait traverser le meuble. Oh putain, ce bug de collision, quoi. Les mecs, ils rentrent. Oh, ils ont putain des beaux costards quand même. Oh, le costard avec les gants, ils sont stylés, les gars. Mais vas-y, quoi. Moi, je veux les mêmes gants. Et il n'y a rien à checker par là. Oh putain, il y a le mec qui est là. C'est bon, il est de dos. On va l'envoyer là-bas, c'est le plus loin possible. Voilà, va là-bas. Et je lui fais. Oh, il est dans la salle de muscu. Ne bouge plus. Oh, regarde le beau viseur laser là qui est sur toi. Eh, mais c'est, ça commence bien là, franchement. Putain, si j'arrive à tous les arrêter, tranquillou. Eh, il y aurait un truc à checker par là, apparemment. Je sais pas, il m'a fait du zoom là. Non, il y a rien, moi je vois rien. Vous voyez quelque chose ou non. J'ai rien, il me fait un petit. Il y a quelqu'un qui vient de prendre une douche. Non, j'ai rien. Oh, il y a un spa et tout, carrément. Bon, attendez, les gars, on va en profiter. On se fait un petit spa ensemble. Allez, profitez-en. Bon, non, il y a rien. Je vois pas ce qui. Par contre, j'aime bien ce qu'ils font l'animation. Ah, oui, il y a un truc par là. On lance en haut. Alors là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Il y a un truc à checker, mais je vois rien du tout. Ah, c'est peut-être ça qui. Ouais. Non, je vois pas. Bon, je sais pas, vous avez vu quelque chose, vous? Putain, le mec, il reste 2 heures pour chercher un truc. Bon, tu le trouves pas, tu te barres, et puis c'est tout. Il va pas chercher pendant 2 heures non plus. C'est vrai, mais. Je sais pas, ils me disent de. Zoom, zoom. Bon, alors. Ils me vibrent, mais bon, il y a rien. Allez, on ferme la porte au cas où. Et comme je disais, ils font l'animation pour ouvrir la porte, mais ils font pas l'animation pour fermer la porte. Parce que ça demande de trop de choses. C'est trop dur. Putain. Il y a lui là-bas, mais il me voit pas, je suis assez trop loin. Du coup, comment je vais faire? Putain. Je fais comment? Putain. Je peux aller dehors comment là? Je voudrais bien avoir celui-là qui est dehors, mais. Sinon, il faut que je casse une vitre. Bouge pas de là. Ça va. Ouais, j'étais obligé là, je veux pas trop de rouleau. Où aller? Bon, j'ai fait du bruit, mais c'est bon, père. Il va aller où? Attendez. Il y a un mec qui a entendu du bruit, mais. C'est quoi ce bordel? Il va me découvrir. Allez, vas-y, va voir ton mec. Mais il y a un de tes potes là. Voilà, c'est bon. Fais attention à mon gros doigt. Ça va, j'ai pigé. Voilà, c'est ça. Fais attention à mon gros doigt. Okay. Le chauve là. Putain, vous avez beau costard quand même. Hein. Ça se voit que vous êtes bien payé, les gars. Oh, c'était chaud, patate. Bon, j'ai cassé une fenêtre, mais bon, ça allait. Apparemment, c'était pas trop mal. Putain, ça m'énerve, parce qu'il y avait un truc à faire à scanner, mais je vois pas du tout où ce qu'il était. Oh, la belle cheminée. Oh là là, quel que je voudrais avoir une maison comme le chat, moi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les arrêter tous? Double turbo, bougez plus. Tu restes ou tu es. Toi aussi, tu bouges plus. Hey. Voilà. Vous touchez pas à cette voiture, c'est ma voiture de toute façon. Je la prends après pour m'en aller. Ah ouais, c'était lui, il fallait l'arrêter. Hop, voilà. Y a pas de. Tiens, de l'alarme, j'aurais cru qu'il y aurait des alarmes. Tiens, il y a un truc. Là. Ah d'accord, faut que je fouille. Ah, j'ai un indice. Une combinaison à mon avis. Ah d'accord, donc il y avait un coffre quelque part. Il y avait un coffre quelque part. Bouge pas, j'ai mon gros doigt. Suite. Hey, ça va, j'ai pigé. Voilà, t'as pigé, c'est bien. Comment on prend son temps alors qu'en vrai on devrait aller vite pour attraper Stoddart en tout cas. Bon, j'ai encore un indice à trouver.
me semble. Attendez, je rentre dans l'intérieur. Putain, j'ai un indice, mais tout à l'heure il l'a bipé, mais ça devait être sur un coffre. Parce que j'ai une combinaison. Donc il doit y avoir un coffre quelque part. C'est peut-être là où il y avait le truc. Attends, on va retourner dans la salle où il y a de muscles. Juste vite fait. Au pire, je couperai si c'est trop long. De toute façon, il n'y a plus personne, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et où est la salle de muscles? Ah, je vais dans un autre endroit là. Oh non, je peux plus revenir en arrière. Oh putain, mon trop tard. Bon bah, j'aurais pas eu le truc. Première à gauche, tout droit jusqu'à la place Océan, à droite sur le boulevard Ocean View. Bordel. Police, on bouge plus. J'ai mon gros doué. Sinon, je vais te le mettre quelque part où je pense. Ah, je suis deg, les gens. Je voulais essayer de trouver le dernier indice, mais on peut plus rentrer à l'intérieur. C'est complètement stupide, soit dit en passant. Putain. Bon, bah, voilà. J'aurais pas tout. Bon, moi, c'est bien, là, je peux les scanner de bien loin. Ouh, il y a un truc, il y a une alarme là. Pardon. Un truc électrique en tout cas. Ils sont que ça? Tout à l'heure j'étais plus, ça me paraît bizarre. J'étais plus à l'intérieur. Là il y a de plus grands espaces, mais ils sont moins. Oh là, c'est stressant cette histoire. Ouais, c'est pas très discret. Ils sont en train de se fumer des wings. Qu'elle n'est pas assez bonne pour toi? Fais tourner. Merde! Je suis comment? On bouge plus, les gars. Faut que l'autre se retourne. Ça t'apprendra à pas acheter américain. Oh merde! Ok, d'accord. Soirée! Oh putain! Est-ce que je veux faire la trop vite? Et voilà, putain, c'est n'importe quoi, putain! Je veux faire trop vite l'animation et puis voilà. Bon bah voilà, on s'est fait repérer, un gros fail. Ouh, ça fait c'est bon. Qui me tire? Qui m'a tiré dessus? Mais toi déjà, regarde mon gros tuyau, je te le montrais, tiens! Prends mon gros tuyau en pleine face, voilà. Il y avait une nouvelle arme, non ou pas? Non, je l'avais déjà, c'est là. Bon, je regarde mon truc, moi. Attends, on va aller. Hop. Oh, plus celui, il faut le. Ah merde! Attendez, mais je veux. Oh. Oh ouais, ils m'ont oublié carrément alors que ça faisait à peine 2 secondes. Oh, cool! Oh bah, tu sais, ça va être un pilote, il avait un casque. Non, non, il est pas là. Il est pas là du tout. Il est là-bas! Hey, par ici! Ouais. Ils m'ont oublié, attendez, on va. On va le faire oublier. Ils vont nous oublier. Par là. Allez, chopez-le. Tiens. Voilà, mon gros tuyau. Là-bas. Vous allez vous calmer. Voilà. L'autre, il faut qu'il m'oublie, comme ça je peux l'arrêter. Activer que. Ah d'accord, il y en a un là-haut. Il est là-bas. Oh putain, il faut comment je fais pour monter là-haut moi. Je peux aller. Éliminer. Je suis dans le caca, Jar Jar. Je fais comment pour monter là-haut? Faites péter le gaz, là-bas. Allez, attendez, on va utiliser le pompe là. On peut utiliser le pompe, on va les pomper. Ils sont encore plus haut, c'est ça? Ils sont où les gens? Ils sont tout là-haut, mais je peux pas aller tout là-haut. Je ne peux pas aller tout là-haut. Non, je peux pas. À moins que je peux retourner en arrière. On va aller voir. Non. Putain. On peut pas passer par là, ok. Putain, fais chier. Ils vont pas m'oublier en plus, c'est con. Je le vois. Ah c'est bon, ils m'ont oublié. Cool, ils m'ont oublié. Allez, vite. C'est qui, putain? Je sais pas.
retourner dans la cour. Ne bouge ouais, plus. En plus j'ai plus en même temps quoi. Ok, ok. Ouais, ils m'ont oublié. Ah, le truc de l'oubli, c'est super ça. Le mec Allez, c'est bon. Vite, le dernier il va arriver. Il va monter. Il monte, il monte. Il va monter, il va monter. Il est juste ici. Stop! Les mains en l'air! Ok, ok. Ok, ok, ok. Pas de problème. Hey, pas de... Bon, allez, c'est pas grave, j'arrête. Même si l'autre est en face, il est en face de moi. M'en fous, j'arrête tout quand même. M'en fous, c'est tout ce que je voulais. Allez, je me barre. Ouh, il y a des trucs à checker. Mais c'est où? Oh, c'est quoi ça? Là-bas. Ce genre de balle, ça sert qu'à une chose. Ah oui, une balle pour percer les armures. Oh, ça fait mal ça. Tu l'as eu? Oh, c'est cool ça. Voilà, j'ai fait tous les bons points. Passé par là. Ah d'accord, je peux même faire en vrai quoi. Hey, par là. Attendez, on va essayer. Attends, tentez le pompe. Oh, ça fait mal ça. Oh, par contre, il tire qu'une. Oh, attends, hé. Hey. Je m'embête pas, moi. Attendez, il y en a qui vont me dire. Bouge pas de là. Alors, lui, il m'a pas vu, mais lui, il m'a vu. Quoi. On a un problème. Non, non, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Allez, moi, je t'arrête. L'autre, je lui fous une belle patate dans sa gueule. Oh, encore une. Oh putain, je veux voir la taille des balles moi. On voit juste le petit. Oh putain. Du coup y'a rien d'autre, y'a rien d'autre, y'a rien. 45T, toi tu. Ah 1, 45T pareil. Du coup, eh, on tente? On se tente ou pas? Allez, on va essayer. On va essayer de toucher. Au revoir. Oh, pas mal, pas mal. Tu vois quelqu'un ici, toi? Genre. Bon. Mais c'est tout, les gars. Bon, bah, cette distance là. Il meurt. Non, mais à cette distance. Là, ça va être chaud. Ah, c'est bon, j'ai eu dans la tête. Donc tu meurs? C'est bon, il est mort. Je crois. Oui, il est mort. Oui, il y en a encore un là. Ah, il y en a encore là-dedans. Bon, alors là, toi tu. Putain, il tire une balle. Voilà, ça t'a calmé. En plus, t'as un casque. Ah ouais, t'étais en fait dans des. Non, c'était pas des pilotes, tu con. C'était des mecs qui s'essayaient au centre de tir. C'est pour ça qu'ils avaient des casques. Hop, on rentre comme ça, nous, par la porte. Oh, des beaux objets de l'art. Je peux en peut-être en voler un et le ramener chez moi. Non. Bon, bah, allez, on monte là-haut. Je veux regarder la vue. Non, je peux pas regarder la vue. D'accord, il y a un mur invisible. Même quand je casse la vitre. Ah non, c'est bon, je vise aussi. Oh, c'est beau là-bas. Oh, il y a une voiture qui vient de passer. Monsieur, au secours, il y a des méchants, appelle la police. Bon, ok, bon. C'est mon gros tuyau. Ah, il y a pas une cinématique, j'ai l'impression. Mon personnage en anti, j'ai l'impression. Non. Oh, wow, c'est super beau. Ça fait quoi si je casse ça? Non, on peut pas casser, je peux même pas faire. Je peux même pas tirer. Zut, je voulais casser pour qu'il tombe dans l'eau la prochaine fois qu'il vient. Vous savez, j'aurais juste cassé là l'entrée. Bouf, ils sont tombés dans l'eau. Oh putain, tout ce qu'il y a. Oh, c'est des valises d'argent. Argent. Argent. On va prendre une douche. On peut, c'est vrai, je peux pas casser. Je peux rien casser là. Ah, c'était ça là, la combinaison du coffre alors. Eddie. Big Daddy. Je crois qu'il disait Big Daddy au début. Big Daddy. Ouais.
Ah, il pose, mais. Oui, vas-y, pose, prends l'argent. Non, non, mais pas le mouchard, prends l'argent. Non, pas là. Mais pas le téléphone, putain. Il va pas se dire, c'est un bizarre, ils sont un petit peu remontés, les derniers. Non, ça, ça fait bien. Ça fait bien, pile poil, la profondeur. Oh, mais c'est pas possible. Apparemment, tu sais pas qui je suis, parce que sinon, tu t'amuserais pas à venir. Non, je sais pas qui tu es, en fait. Il en faut plus pour me faire flipper. T'as l'air mexicain, donc tu dois être un cambrioleur. Mais je pense que t'es pas un cambrioleur ordinaire. Il y a plein de propriétés plus faciles à braquer dans le coin. Et pourtant, t'as choisi la mienne. Je me demande... Parce que t'as une seule gueule. C'était un bon challenge. On va pimenter le défi. J'ai appuyé sur un bouton et une dizaine de psychopathes déchaînés équipés d'armes automatiques... Ah merci, ça va mettre de l'action pendant la vidéo, c'est gentil. Tu flippes toujours pas? Alors là, ça m'étonnerait, de mon point de vue. Là, j'aime bien ce que t'as fait, Kai. Ah, ça, c'est très malin. Deux non, hommes sur le coup. Allez. Façon de parler. Toutes mes félicitations. Vraiment. Mais si j'étais vous, je prendrais tout le fric que je peux et je le claquerais rapidement. Acheter de l'or, un bateau de croisière, parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Ça, non, croyez-moi. Oh oui, ça c'est bien, Kai. Ah, pour une fois, je suis content. Tu tapes quelqu'un, mais c'est bien là. Salut. Je viens ouais, pour une fois dans ta vie. Faut que tu coupes l'alarme. Ça servira pas à grand chose. Il y a plein de types qui arrivent. J'ai pas envie de dire, mais Kai, à l'écran, j'avais l'impression qu'elle avait la grosse tête. Oui, j'adore cette blague, je la continuerai, je m'en fous. Oh merde. En plus, tiens, moi qui avais l'idée de casser les trucs. Mais attendez, je vais juste vous checker. Ça me fait des points. Et. Ah, on peut pas checker tout. Oh putain, je suis dans la donnée. Alors toi, voilà, je te calme. Voilà, je vais mettre à terre, voilà. Temps de recharger. Oh là là, que d'action d'un coup là. Oh oui, la tête là, j'ai vu la tête en rouge, mais c'est la tête. Ah, il y en a un qu'il faut que j'ai pas checké. Merde. Merde, vous... J'en ai marre de... Oh là là, oh là là, et putain. Ah ouais, en plus il y en a un là quoi. Putain, ta gueule. Putain, putain, il est pas mort avec mon autre. Ah bah c'est moi qui est mort. Ah non. Oh putain, d'accord. Je sais pas compris si c'est là. Alors attendez. Attendez, voilà juste ce que je vais faire. Allez, viens. Venez, 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 venez. Allez, venez. Petit, 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 petit. Oh non, c'est ça, par là, par là. Allez, viens, viens, viens. Tiens, mais viens, n'aie pas peur, c'est qu'une mine. Allez, viens. Eh, hey, t'as une mauvaise mine en plus, je trouve. Attends, est-ce que je peux faire venir par là? Allez, mais rentre, je veux voir, faire un beau kill pour mes abonnés, merde. Allez, viens. Allez, viens. Oh non, il y a pas de... Bon bah. C'est dommage. Oh putain, comment j'ai détruit en plus, moitié du décor. Ouh. Ah là, le crabe bagaille va servir. Oh, putain, la patate de forain. Comme dirait un certain moustique. Du sacrant. Que je ne connais pas, bien sûr. Oh là, elle est toute mouillée. Au moins, on n'aura pas à scotiner tout un tas de paperasse. Estogar, tu l'as eu? J'ai pas essayé. Je me suis dit que t'aurais sans doute besoin d'un coup de main ici. Ah bah putain, pour une fois qu'elle prend la bonne décision. Merci au fait. Faut qu'on y aille. C'est quand qu'elle devient méchant qu'elle prend les bonnes solutions. Elle est pas très 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 maligne. Qu'est-ce que Dose et Stoddart ont fait d'ailleurs? Disons que j'ai pas toujours été du genre à entuber mes coéquipiers. Je vois. Juste pour info. L'objectif, c'est pas de tuer Dose. Pas pour moi. Ok.
Alors c'est quoi l'objectif? Pour toi? Avec tes beaux yeux ténébreux. Je veux sa ruine. Oui, merci. Parce que c'est ce que lui fait. Il ruine bien. Les gens. Pour une fois... Et Stoddard? Elle veut le tuer. Stoddard, je me contente. M'en doutais! T'auras d'autres occasions, je suis prêt à le parier. Après ce soir, c'est lui qui viendra nous chercher. Oh la merde qu'on a fait quand même. J'ai pas envie d'être de la femme de ménage. Oh putain, ça fait déjà 40 minutes. Eh ben on va s'arrêter là les gens. Je vais vous laisser comme d'habitude sur ça. Allez, je vous laisse la suite. Comme ça vous allez voir. On va voir ce qui va se passer un petit peu. Après je vais vous dire au revoir. Oh quand même la patate de four et tout ça. Au moins c'est bien, elle veut ruiner Dawes. Mais bon, elle veut quand même buter Stoddard, c'est quand même un minimum. D'habitude, c'est toujours vengeance, je veux tuer l'autre, mais là non, on veut juste le ruiner, et ça c'est bien. Voilà, on va lui tirer son fric à ce colonel. Allez. Bon. Je crois que si je peux arrêter là, parce que comme ça la prochaine fois, ça, j'ai vu le checkpoint, normalement ça reprendra pile poil à ce moment-là où il y a la cinématique. Bon! Allez, c'est une... Bon, en tout cas, c'est une bonne vidéo. J'ai réussi à l'infiltration. Enfin, en début de partie, j'ai pu arrêter tout le monde sans me faire repérer. J'ai pu... Bon, il me manquait un indice pendant un moment, mais quand je suis ressorti du bâtiment, malheureusement, on ne pouvait pas y retourner. C'était super, ça. Et à la fin, j'ai bien foiré mon infiltration. Bon, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait marrer aussi, parce que franchement, les moments, quoi. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis pour le prochain épisode... Voilà, pardon. Pour le prochain épisode, allez, portez-vous bien, salut !